Le loup. Le loup. Vous croyez qu'il va rester sage comme ça? Oh non. Attends. Faut que je le pose quelque part. Je sais pas où le poser. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais? Je veux pas le mettre dans la cage du lézard, il va le bouffer. Le lézard, dépêche-toi de te tamer. Je veux ce loup. Niam le loup. Non. Réfléchissons. Est-ce que j'ai de quoi faire une deuxième cage? J'ai pas de quoi faire une deuxième cage. Il faut boire. Mais attendez, c'est pas le moment de boire. Je peux pas boire, là. Je pourrais récupérer la cage du lézard. Hein. Attendez. On va y arriver. Ce qu'il faut, c'est pas paniquer. Je panique! Calme-toi, le loup, calme-toi. Si tu permets, je fais des manipulations compliquées. Ah non, c'est pas là que je voulais le mettre. Ah non, je l'ai mal mis. Je l'ai super mal mis. En même temps, je suis en train de faire ça avec un loup dans les pattes. Ok, j'ai tout foiré. J'ai encore des murs? Aïe! Ok. Tu restes là, tu bouges pas de là. Hein. J'arrive. Hein. Il est où? Ah, il arrive. Il arrive. Évidemment qu'il arrive. Aïe! Mais attendez, j'ai pas assez de murs là pour fermer ma cage. Ok. Y a pas de problème. Reviens là. Non, je suis pas du tout en train de galérer. On va y arriver. Avec le voleur. Ok. Il est où le loup? Il arrive le loup. Le lézard, ça vient? Le loup. Et la chante qui veut pas se poser. Ok, alors attends. Viens là. Je te ramène là-bas. Me dites pas que c'est une tempête de sable qui arrive parce que c'est pas du tout le moment. Le pire des moments. Non. Tout va super bien. Il est où le loup? Il m'a lâché? Non, il est où? T'es où le loup? Non, dites-moi pas qu'on l'a perdu. Bon, le dragon, il se tame, c'est bon, ça, faut pas s'inquiéter. Il est peut-être parti taper quelque chose là-bas. Non, il est où? Il est là, je crois. C'est toi, hein? Je te tiens!
Calme-toi, je te tiens, c'est bon, ça va bien se passer. On fait ça en pleine tempête de sable. Tout va bien. Pourquoi deux pas dinos intéressants? On passe à deux dinos intéressants en même temps. Bon, est-ce que je vais arriver à le mettre juste dans un de fondation? Ça, c'est une toute autre histoire. Je suis même pas sûre qu'il rentre. Du premier coup. Alors, le loulou? On est coincé? Qui c'est qui va faire dodo? Qui c'est qui va faire dodo? Eh, hey, GG Carlette pour le first. Le first qui n'avait pas été utilisé? Il avait été utilisé, le first. Ah non, j'ai relancé le live, du coup, il n'a pas été utilisé. Ouais, il y avait Des qui l'avait utilisé, mais vu que j'ai coupé le live et que je l'ai relancé, bah, ça compte comme un deuxième first. GG à toi, Carlette. GG! À moi! À toi, Carlette! Totalement à toi! C'est totalement à toi! Faut faire dodo, le loulou! Il me reste deux fléchettes! Et voilà! Et fin de la tempête de sable. Eh ben, tant mieux. T'as encore de la prime, toi? Eh ben, c'était compliqué, tout ça. C'était compliqué, mais tout le monde y fait doudou. Toi, t'as encore de la prime? Oh, mais ça va pourrir. J'aurais bien aimé le tame à la prime, quand même, le loup. Autant le l'autre, ça va, il est pas très haut level. Autant le loup, j'aurais bien aimé le faire à la prime. On n'a pas de la prime qui traîne là dans le coin. On a un bébé Morelatops. Je veux ton bébé, je veux sa prime. Je suis désolée. En plus, elle a fui en abandonnant son bébé. Merci, je suis désolée, mais... De toute façon, il était niveau 5. Oh, eh. Il aurait pas survécu. Il aurait clairement pas survécu. Ah, bah écoutez, je suis quand même relativement contente. On a galéré, mais c'est fait. On a le loulou. On a le loulou, on a le dragon. On va juste remettre un petit peu de prime quand même sur le lézard. Parce que ça a pourri. Et on va en mettre sur le loulou. Heureusement que c'est pas très grand un loup. J'ai eu mon Tila level 204. 204? Joli. Tu l'as tame, il était sauvage quel level? Ou alors c'est un bébé, c'était quoi? Dis-nous tout. On veut tout savoir. D'où vient ce loup? Qui est-il? Le Tila plutôt. Moi je suis allée voir hein, du côté d'Itila, j'ai rien vu de super, super haut level. Il me reste une fléchette. C'est moche. Je l'ai tame. Ok. Tu l'as tame. Et il était quel level quand tu l'as tame? Parce que 204, je crois pas que ça faisait, c'était pas un 150. Hein. Je crois pas. Ah ouais, joli. Bah du coup, techniquement, mon loup devrait ressortir 204. Normalement. Ah ouais, mais le Tila, tu l'as time avec quoi? Parce que c'est, je crois que c'est de la viande cuite qui préfère le Tila, non? Viande de mouton cuite même, je dirais. Je crois que c'est ça sa nourriture préférée. En dehors des kibbles. Tu vois, le kibble, c'est encore autre chose.
Torni dragon, pourquoi tu t'appelles Torni dragon? C'est dragon épineux ou Torni dragon, ouais. Ah bah là c'est lézard épineux. Oui non, c'est lézard épineux le nom français. Et tout à l'heure c'était marqué Torni dragon. Il change de nom. Je l'ai fait avec ce que j'avais. Ah bah là. Eh, le loup il va être tamé avant ou quoi? Ou comment ça se passe là? Vous voyez, toujours avoir plein de structures sur soi pour quand on va tame. En vrai, je me suis compliqué la vie pour rien pour le loup. J'aurais pu faire une débolasse. Ça aurait pu passer aussi. Hein. Donc après, vu son level, je sais pas si les bolasses auraient duré assez longtemps. Je suis pas sûre, mais c'est vrai que j'ai pas pensé, mais autant le... Le lézard épineux, je crois pas qu'il se bolasse. Autant le loup se bolasse totalement. Et écoutez, peu importe la méthode, ce qui compte, c'est le résultat. Et résultat, j'ai un dragon, j'ai un loup, et il fait super chaud. On est dans la rivière, ça va, on n'a pas chaud. D'ailleurs, on peut pas boire l'eau de cette rivière, si c'est bon. J'ai envie de dire au final. C'est tout ce qui compte, non? Qu'est-ce que t'en penses, le... Le kangourou? Le prococtodon? Un kangourou. Ah, vous savez, moi je donne les noms que je veux au dîner. Bah ça va, on revient quand même avec des trucs intéressants. Par contre, j'ai pas mon ankylo. Et ça c'est un problème. Faut que je trouve un ankylo, vraiment. Du coup, on va mettre tout ce petit monde en Pokéball. Vu que j'en ai craft exprès pour ça, justement. Et on va continuer à voir si on trouve... Ouais, sauf que j'ai plus de fléchettes. Il me reste une fléchette. Peut-être falloir qu'on aille refaire des... Mais il s'est vraiment tame avant lui ? Ah bah non, ils sont tame en même temps. Eh ben... Hein, 217, ouais, le loup. Mon loup, il est plus haut level que ton Tila. Après, je sais, un Tila, ça fait beaucoup plus mal qu'un loup. Mais faut pas le dire. Non, en vrai, un Tila 207, c'est un très beau Tila. GG à toi, Xena. Pour ce beau petit Tila. Et toi, t'es 202. Oh, t'es une femelle, tu nous feras des petits œufs. Des petits œufs pour avoir des kibbles. Hop, et je ramasse mon bordel. Et c'est quand même très agréable aussi de récupérer juste les fondations et que ça récupère tout. Franchement, c'est quelque chose de fortement agréable. À moins que, je sais pas si l'enquille on peut. Parce que j'ai quand même une centaine de flèches d'arbalète, hein. Un kilo, ça passe, hein, au level avec l'arbalète. Parce qu'en vrai, il va falloir penser aussi au kibble. Hein. Mais de toute façon, Xena est une pro, cela ne fait aucun doute. On est toujours quand même au début, je pense pas que quelqu'un sur le serveur ait vraiment commencé à faire des kibbles. Donc on fait avec ce qu'on a. Mais j'avoue que 145 quoi, s'il était pas fait avec... je pense pas que c'est un time perfect, il aurait pu être plus haut level. C'est un peu dommage mais ça reste une belle bait. Bon, où est-ce que vous avez caché les ankylos? Parce qu'en vrai, là, si on trouve un bel ankylo, moi, je suis contente de ma session tame. Oh, un ankylo, ça.
Niveau 20. Bah, de toute façon, c'est des daidons. J'en veux pas de daidons. Là, je pense qu'on va un petit peu se concentrer sur l'ankylo. Chef de meute niveau 45. C'est nul. Et moi, j'ai Tam, un argent 70 et un lézard épineux 95. Bah écoute, c'est un bon début, moi, j'ai envie de dire, Pachis. T'inquiète donc pas. Pour un moment, on fait un petit peu avec ce qu'on a. Hein. Et j'avoue que les hauts levels, ça court pas non plus... ça court pas les rues. Ah non, j'ai cru que c'était un ankylo, mais c'est un kangourou. Il me semble que dans le coin, il y en a normalement des ankylos. Non, il y a du doué. Je veux pas du doué! Je veux de l'ankylo! Ma wyvern est morte! Ah, ma rip! Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre wyvern? Vous avez voulu la faire grandir avec un cochon, je crois. Fallait aller lui trouver du petit lait. Hein. Un peu de lait, et puis c'était bon. C'est dommage. 45. Trop bas level pour le cochon. Elle avait pas de PV. Miaou! Miaou, miaou! La forteresse à Xena. T'as pas des ankylos qui traînent près de chez toi, Xena? Waouh, et Xena, tu prends une grande zone, hein. T'as un Morillatops, je crois, qui se balade chez toi, par contre. Chocobo! Chocobo et Cookie! Cookie et Chocobo! Xena, elle rigole pas, elle prend toute la zone, avec des petits cœurs et tout. Eh bah, dis donc, mais que me vaut donc tout cet amour? C'est trop gentil, c'est trop mignon. Vous êtes mignon. Merci beaucoup. Non, je suis encore en train de mourir de chaud. On fait que ça. On a fait quoi un petit peu dans le tour de map là? C'est par là-bas au loin, on n'y est pas jamais allé. Ça pourrait être pas mal d'y aller. Oh, il y en a un kilo. Attendez. On a peut-être trouvé notre bonheur. Ouais. Faut que j'arrête de rêver un peu. Sinon, c'est quand qu'on meurt plus de chaud dans ce désert? Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a, mais... Non, j'ai cru que c'était un tila, c'est un kangourou encore. Xena, c'est pas une base ton truc, c'est un continent. Ah bah Xena, elle a besoin de place. Hein. Elle va nous faire... je sais pas ce qu'elle va nous faire en construction, mais de toute évidence, elle a besoin de place. En plus, elle va faire la gare et tout. Donc elle a besoin de place. Hein. Où sont les ankylos? Bah j'ai le train et mon saloon à faire. Ah, carrément, le train et le saloon. Ouais, Xena, elle a besoin de place. Nous, on va se poser un petit peu pour la stam. Bah, je crois que l'ankylo, ce sera peut-être pas pour aujourd'hui. Ça va faire une heure déjà qu'on est en train de tourner pour trouver des dinos. Bon, après, la récolte est pas trop mal, quand même. Un argentavis, c'est un loup niveau 145 avec un lézard épineux un petit peu plus bancal, mais...
Mais potable, après c'est un dino de farm, donc ça va. Y a pas un dino? On va peut-être devoir aller jusqu'à la tour rouge. Dis donc, petit par hasard, t'es plutôt jolie, toi. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il a un level de merde. Ils ont toujours des levels de merde. Oh non, et toi, va-t'en, hein, c'est bon. Ah, bah, les températures redeviennent clémentes. Ouais, je pense qu'on va aller explorer un petit peu. Du côté de la tour rouge, on n'y est jamais allé encore pour le moment. Et par contre, il fait chaud du côté de la tour rouge. Il fait chaud de ce côté-là de la map, hein. C'est un... Oh, un ankylo. Niveau 10 avec bébé et niveau 20 avec bébé. Pas niveau 50. Oh, kilo! Mouep. Ouais, faut que je fasse gaffe parce qu'il fait super chaud dans le coin. Donc, je sais pas si on va pouvoir s'éterniser. Tout pourri, tout pourri, tout il est pourri. Ah, c'est bon, il fait moins chaud ici. On est bien dans le coin. Dans le coin, on peut venir tame en toute sécurité. Enfin, il fait quand même chaud, mais ça va, il fait moins chaud. Sauf qu'il n'y a rien à tame. Du coup, bah, c'est triste. Bah, tu me fais rêver? Non, tu me fais clairement pas rêver. L'incroyable et l'impressionnante tour rouge. Et il y a un Argentavis là qui m'a l'air magnifique dans un rouge et bleu. Des couleurs vraiment très jolies. Et avec un level beaucoup moins joli. Pauvre cheval! C'est moi ou c'est un peu violent dans le coin quand même? Mec 120, tu prends? Mégalodon, j'arrive. Magis. Je pense que sur Scorched, il n'y a pas de mégalodon. Hein. Je sais pas, mais je pense qu'il n'y en a pas. Hein. Je pense pas qu'on parle d'un mégalodon. Voilà, je veux pas t'enlever tout espoir, mais... Je pense pas qu'on parle d'un mégalodon. Je connais ton attachement pour les mégs, mais... Enfin, les mégalodons, mais là... Là, Pagis... Je peux prendre ça sans me faire tuer? Okay. Une selle de Terror Bird, en vrai, j'en avais pas. Qu'est-ce que tu veux me faire, toi? Va-t'en, la fourmi, là.
Ça, c'est du capro, ça. Ouais, c'est du capro. C'est du capro! Smilo, 145, sinon. Ça, c'est une belle bête. Ça, j'avoue que c'est une très belle bête. Ça se tame, ça. Et pas qu'un peu. Bon, il y a des montagnes, mais il n'y a pas l'air d'y avoir d'ankylo dans le coin. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un max de... Max de Tapejara, il est sur cette map. Hein. Des ruines. Une petite note? After I had my fill of drinking from bug vines, I decided to try for one of the camel lizards I saw waddling around that sand pit. It was probably an easier way to break the dumb beast than smacking him upside the head and force feeding him. But that's what worked for me back on the island. Anyways, I guess I finally hit one in its noggin enough time for it to think we were pals. Aww. Reckon I'll spare you knowing how I figured out a way of drinking from those smelly humps. Ok, c'était cool, mais j'ai rien compris. Désolé, mon niveau d'anglais n'est pas suffisamment élevé pour comprendre ce que ça raconte. Du coup, moi je compte sur vous pour la traduction, et surtout ne comptez pas sur moi pour la traduction. Eh, c'est notre première note de Bob qu'on a trouvée, hein. Avec animation et tout, hein, les notes de Bob. Regardez, il y a un chemin, là. Une petite arche. Il y a un Tapejara qui se fait maltraiter, là. C'est moi ou il est niveau 10? Il est niveau 10! Et j'arrive pas à te toucher! Oh, attendez, il m'a looté une carte, je crois. Il m'a looté une carte. Oh, il m'a looté une carte rare! Oh, ouais! T'es où? Ah, c'est pas si loin que ça. Let's go. Allons-y. Il m'a looté une carte. Il y a beaucoup de monde ici. 15. 10. 50. 75. Et 15. Par contre... sympa les petites ruines là de ville. Et... 15. Aïe! Je t'ai rien fait! C'est tout, je m'en vais. Il y a beaucoup de monde dans ces petites ruines. Rassurez-moi, c'était par là, hein. Qu'on aille trouver le trésor. Eh ben, ça se tape dessus dans le coin. Moi, j'ai un trésor à récupérer si ça vous gêne pas. C'est vraiment le bordel dans le coin. Normalement, ça devrait être encore plus loin. Encore des ruines. Note. Ah, I really missed flying. There's no replicating the feeling, and no replacement for seeing a sunrise. Moi, je vous laisse lire.
Je vous laisse mettre pause pour lire. Et moi, je vais chercher mon trésor. But I can't say I mind. Despite their appearance, riding a wyvern is just as pleasant as riding an Argentavis, even without a saddle. By design, perhaps. No matter. Genetically engineered or not, they are magnificent creatures. It's a risky proposition, but I absolutely must observe them in the wild sometime. I can't pass up an opportunity like that. Okay, j'espère que vous êtes d'accord avec Elena. Je sais pas ce qu'elle a raconté, mais j'espère que vous êtes d'accord avec elle. On devrait plus en être très loin, là. 200 mètres. 200 mètres, ça fait quoi? Ça fait... 200 cm. Ouais, non, c'est encore un peu plus loin. C'est encore un petit peu plus loin. Ça devrait être dans le coin, je pense, non? Ah, là, il réapparaît pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas d'y aller à pied. Il y a des crevasses, là, dans le coin. C'est pour ça que je le sens pas. Yeah. On y est! Petit trésor! Petit trésor! Petit trésor! À moi le trésor! Petit pistolet semi-automatique mythique. Ça va? Hey, coucou, Troglo, comment ça va? Qui veut une carte épique. Ah, t'as looté une carte épique et t'as pas le DLC, c'est ça. Oh non, pas la tempête de sable. Sinon, ça va à vous? Parce que là, je crois qu'on est un petit peu bloqué dans le coin pour quelques temps. La tempête de sable. Oui, donc je la donne. Ah bah, eh bah écoute. Pour bon, moi je suis bloqué dans une tempête de sable en tout cas. Sinon ça va. Eh ben si ça va, c'est le principal. Moi ça va, ça va. On est bien. Mais non, les tempêtes de sable, y a pas de problème. On cherche des ankylos, mais... C'est pas terrible. Mais après, j'ai pas à me plaindre, j'ai quand même trouvé un loup 145. Et un Argentavis 145. Donc, on va pas se plaindre. On n'a pas trouvé l'ankylo, mais on va pas se plaindre. C'est le loup qui t'a trouvé. Effectivement, il m'a complètement foncé dessus pendant que j'étais en train de faire tranquillement un lézard épineux 135. Il m'a littéralement attaqué. J'allais le tuer clairement. Quand j'ai vu que en fait il était 145. Et du coup je l'ai pas tué. Non non non. Mais j'ai failli hein. J'ai failli. Ça se passait à deux doigts. Ah, des herbes qui volent. Et on se pose. Ouais, de toute façon, moi à la top ça m'intéresse. Oui, 95. Ouais, non, mais ils sont pas ouf. Hein. Level 60. C'est que des levels de merde! Non mais je pense qu'en vrai là on va essayer gentiment de rentrer. On a quand même bien tourné, on a bien cherché, on a quand même... Ah, c'est pas comme si on revenait les mains vides. Hein. On revient avec 3 dinos donc en vrai ça va.
Bah, la tempête de sable, c'est bientôt fini. Now. Ça se termine là, non? Ouais, ça se termine. Des ruines? J'aime bien les ruines. Parce qu'il y a des notes dans les ruines. Of course, Wally lives on a bloody mountain. Of course they do. I saw their wyverns land at the summit yesterday, and they haven't left. This has to be their home. C'est bon, vous avez lu? Ok. The paths were too mais non, je voulais pas fermer ça. Tops, oh, et ça avance bien les notes. It should know to on en trouve tout plein. Don't return for it. Ça avance. Not that I can really afford to worry about it. The climb's doing a fine job of keeping my ass even without distractions. Voyez qu'on a le temps d'y arriver. I swear, if I don't have a six pack after climbing a mountain in the bloody desert, I'm gonna be. J'ai un peu des doutes. On va essayer d'y arriver, mais je suis pas sûr qu'on y arrive. On l'aura pas. Après, on peut essayer d'aller se promener aussi dans le désert, essayer de trouver des drops de désert. Ça peut être pas mal, ça aussi. Ou alors, on peut essayer de trouver un autre argentavis. J'ai tué quelques argentes. Il y a moyen que c'est air pop. Peut-être moyen de trouver un truc intéressant. Je vais plus avoir de stam avant d'y être. Allez, on peut le faire. On peut le faire ou on peut pas le faire? Il va s'il dépop devant moi. Ah, oh, il est là. Vite. À moi. Ok. C'est pas incroyable. Par contre, ça, c'est des grenades à fragmentation. Normalement, ça fonctionne pour tame le... Je sais pas son nom. Le lézard qui nage sous le sable. J'ai oublié son nom. Je m'excuserai, mais... A priori, d'après ce qu'on m'a dit, ça fonctionnerait pour le tame. Bah, c'est pas du garanti quand même, hein. La maison! Ça faisait longtemps qu'on n'était pas rentrés. Regardez, elle est toujours là, elle a pas bougé, hein. Heureusement. Je m'inquiéterais sinon. Ah, il y a toujours la musique à la maison. Ça, c'est quand même trop bien, non? Question, est-ce que je garde les dinos en Pokéball ou pas? En vrai, je pense qu'on va les sortir. Eh, qu'on voie un petit peu avec quoi on revient. Magnifique loup. Et on a... c'est tout ce qu'on a, en fait. Oui, l'argentavis, on l'avait déjà ramené. La selle de Terror Bird. J'ai un Terror Bird qui traîne quelque part, qui a pas de selle. Il est là. Il est pas incroyable, mais bon, autant lui mettre une selle. Hein. On l'a. Ouais, bah, je pense qu'on va refaire un petit tour au niveau des argentes. Pourquoi tu t'énerves, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Ça va être la tempête, c'est ça? C'est tout le temps les tempêtes. Il y a tout le temps quelque chose. Alors. Mais là, on est à la maison, donc... On s'en fiche. Alors, ça, on pose ici les grenades. Je pense que ça rentre pas. Il y a plus de place dans ce coffre. Ça, on pose ici. Ça aussi. Tout le reste, on va le ranger plus ou moins en bordel.
Voilà, ça, tac, 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 on se décharge un petit peu. On va aller boire un coup, puis bah ouais, on va retourner au niveau des argentes, je pense. C'est un quoi, moi, mon argente? C'est un mâle ou une femelle? Non, pas la... range la pelle. Pas besoin de la pelle. Toi, tu es un mâle. Oh, il y a un Dess qui est là. Bonjour, Dess. En loup. Bah. Elle est monture volante, voyons. Ouh, ça, c'est de la jolie carte. Merci beaucoup pour la carte. C'est où? Eh, c'est pas super loin. Après, si tu veux, Dess, je récupère le trésor, mais je te le donne si tu veux. Techniquement, c'est pas lié au DLC, donc tu peux le récupérer, le loot. Si tu veux. On va aller voir ce qu'il y a dedans, mais...